Parce que moi, j'ai pas eu l'impression de partir si vite. Moi, je savais qu'elle aurait eu de la peine. Peut-être. Tu vois, c'est bien. Mais en plus, ici, je pense que ça n'a pas d'intérêt d'être à cette place. C'est quoi les deux mots? Trop vite. C'est trop à la blanche. Non, je peux refaire. Oui. Bruno, je vais le prendre plus pépère, quitte à ce que on avance un peu. Ouais, voilà, si on voit que c'est... C'était limite vite, hein. Soyons clairs, c'était limite très vite. Tu veux dire le bon ou le pas? Allô? Gentes dames et bons messieurs, c'était limite très vite. Oui, alors justement... La pioche va ramer derrière. Ouais, parce qu'ici, on gagnera pas. Dès qu'on a des notes répétées, pop. Ouais, c'est un peu ça. Je suis d'accord. Oui, celui-là, ça ne dérange pas. Arrivé carrément, non? Pas tout. Tous les barrages, des mains.
concert de ce soir est un concert Vivaldi. Et Vivaldi est un auteur très particulier parce qu'à mon sens, ce qui le caractérise le plus, c'est apporter de la clarté et du bonheur aux gens. Certains le trouvent cet auteur un petit peu superficiel, c'est une musique facile. Moi, je trouve que c'est une musique fascinante en ce sens qu'elle donne un bien-être immédiat aux gens, qu'elle procure énormément de plaisir aux musiciens. Et en l'occurrence, moi, j'en ai pris énormément en tant que chanteuse. Et c'est un mélange d'émotions et en même temps de performance, de technicité, et c'est quelque chose de très très euphorisant à offrir au public et de sentir l'échange qui s'installe, puisque les gens généralement sont très très impressionnés par les parties très vocalisantes et en même temps se laissent complètement émouvoir par les parties lentes qui sont tellement sensuelles.
Thank you.
Thank you.
Oh!
extrêmement imprévoyant. Devant la longueur du concert, on s'était dit « personne n'en voudra encore ». Merci. Merci. Donc nous allons vous faire un vrai bis. C'est-à-dire le final de In Furore.